Allez, mes chers collègues. Comme nous avons un emploi du temps tous contraints et que l'ordre du jour est assez chargé, mais il faut passer par là, vous le savez, dans toutes les collectivités, il y a le temps de l'élection et le temps de l'organisation. Je déclare donc ouverte notre séance du Conseil métropolitain. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de désigner notre Benjamin, Madame Béatrice Vera-Masson, comme secrétaire de séance. Il n'y a pas d'avis contraire. Et je vais lui demander de procéder à l'appel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Latil. Présent. Madame Battesti. Monsieur Bernardi. Madame Bernardini. Monsieur Carassan. Monsieur Cuneo. Monsieur Girand. Madame Marino, Monsieur Marion, Madame Montfort, Madame Portuez, Monsieur Roux, Monsieur Emmerich, présent. Madame Métal, Monsieur Simon, Madame Bill, Madame Charles, Monsieur Chouquet, Monsieur Durbano, Monsieur Masson, Madame Biquet, Monsieur Capobianco, Madame Chenet, Monsieur Civettini, Monsieur Collin, Madame Jourda, a donné procuration à M. Civettini, M. Mansour, M. Minetti, Mme Paganelli, Mme Cinquin, Mme Torres, Mme Vincent, M. Albertini, Mme Gagliarno, Mme Laporte, M. Roux, Mme Réalan, M. Stassinos, M. Musso, M. Benevanti, Mme Grosso, M. Vincent, M. Vocaletti, Madame Breton a donné procuration à Madame Leyec. Madame Espinasse a donné procuration à Madame Mondonne. Monsieur Roure a donné procuration à Madame Janvier. Monsieur Tonelli a donné procuration à Madame Jouve. Monsieur Vialat a donné procuration à Monsieur Bonnet. Madame Andréotti. Monsieur Bonnet. Monsieur Bonnefoy a donné procuration à Madame Pascal Cerny. Monsieur Bonus. Monsieur Cavana. Monsieur Cazot a donné procuration à Madame Dire. Madame Chambon. Monsieur Chenevard. Monsieur de Saint-Sernin a donné procuration à Monsieur Tanguy, Madame Dire, Monsieur Falco, Madame Genetelli, Madame Janvier, Monsieur Jérôme, Madame Jouve, Madame Leyec, Monsieur Léoni, Madame Lévy, Monsieur Mahali, Monsieur Mascaro, Madame Massy, Madame Mondonne, Monsieur Moreno, Madame Muscotti a donné procuration à Monsieur Durbano, Monsieur Navarane a donné procuration à Madame Monsieur Bocaletti, Madame Pascal Cerny, Madame Pain, Monsieur Rebec, Madame Roussel, Monsieur Tinguy, Monsieur Tanguy, Madame Turbat et Madame Vera-Masson. Mes chers collègues, le quorum étant atteint, le Conseil métropolitain peut valablement délibérer. Le précédent Conseil métropolitain s'étant tenu il y a tout juste une semaine, le procès-verbal n'est pas soumis à un vote aujourd'hui. Les procès-verbaux du 15 juillet et du Conseil de ce jour, vous seront tous deux soumis au prochain Conseil métropolitain. Mes chers collègues, on va passer au projet de délibération de ce Conseil métropolitain. Et pour cela, et pour bon nombre de délibérations, je vais céder la parole à M. Cavana. M. Cavana, la 7-1. Bien, nous commençons la série des commissions thématiques et je prie mes collègues de bien vouloir excuser le caractère répétitif de mes propos. Alors, pour la commission aménagement du territoire, planification et stratégie foncière, les candidats sont les suivants, M. Girand, M. Simon, M. Albertini, Mme Biquet, M. Minetti, Mme Grosso, Mme Janvier, M. Mahali, Mme Turbat, Mme Rialan, M. Bocaletti, M. Rebec. Acceptez-vous de procéder à un vote à main levée ? Je vous remercie. Je vous propose donc d'élire les candidats présentés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La commission culture et patrimoine, les candidats sont messieurs Vialat, Carassan, Cuneo, Madame Paganelli, Argiolas, Madame Grosso, Madame Espinasse, Monsieur Cazot, Madame Dire, Madame Pascal Cerny, Monsieur Tanguy, Monsieur Mario, Madame Jourda. Vous acceptez le vote à main levée? Je vous remercie. Je vous propose donc d'élire les candidats présentés.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Commission politique de la ville et habitat. Les candidats sont messieurs Masson, madame Marino, madame Chenet, monsieur Mansour, madame Arnaud-Galli, madame Grosso, madame Brotons, madame Lévy, monsieur Bonnefoy, madame Pain, monsieur Rebec, monsieur Navarane. Tout le monde accepte le vote à main levée. Je vous remercie. Je vous propose donc d'élire les candidats présentés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils sont élus. Nous passons à la 4. La commission espace public et proximité. Les candidats sont M. Simon, Mme Biquet, M. Musso, M. Cunéo, Mme Bill, M. Roux, M. de Saint-Cernin, Mme Janvier, Mme Jouve, M. Tanguy, Mme Roussel, Mme Torres. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée? Je vous propose donc d'élire les candidats présentés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils sont élus et je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, la 5. Commission protection de l'environnement, développement durable, transition écologique et énergétique. Les candidats sont M. Vincent Latil, Mme Montfort, M. Carassan, Mme Cinquin, Mme Rialan, M. Bonnefoy, M. Jérôme, M. Mascaro, Mme Vera Masson, Mme Muscotti, M. Boccaletti. Tout le monde accepte le vote à main levée. Je vous remercie. Je vous propose donc d'élire les candidats présentés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils sont élus et nous passons à la délibération 6. Commission Finances et Administration Générale. Monsieur Musso, Madame Battesti, Madame Métal, Madame Vincent, Monsieur Roux, Monsieur Tonelli, Madame Lévy, Madame Massy, Madame Pascali Cerny, Madame Pain, Monsieur Civettini, Madame Portuez. Vous acceptez le vote à main levée? Je vous en remercie. Je vous propose donc de les élire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils sont élus. Je vous en remercie. On passe à la délibération numéro 7. Commission attractivité économique et développement numérique. Messieurs Stassinos, Beneventi, Bernardi, Emmerich, Chouquet, Collin, Roux, Madame Turbat, Monsieur Moreno, Monsieur Bonus, Monsieur Navarane, Monsieur Civettini. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée? Je vous remercie. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la 8. Commission Innovation, Enseignement supérieur et Recherche. Mesdames Biquet, Marino, Bill, Charles, M. Roux, M. Mansour, M. Roux, Mme Chambon, Mme Dir, Mme Layec, M. Durbano, Mme Portuez. Je suppose que tout le monde est toujours d'accord pour le vote à main levée. Je vous propose donc de d'élire les candidats présentés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils sont ainsi élus. On passe à la 9, Robert. Commission Jeunesse et Sport, Messieurs Latil, Roux, Madame Métal, Madame Chenet, Monsieur Capobianco, Madame Espinasse, Monsieur Bonnet, Madame Layec, Madame Mondone, Madame Vera Masson, Monsieur Marion, Madame Torres. Je vous propose un vote à main levée. Je vous remercie et je vous propose de les élire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils sont élus, la 10. Commission Mobilité, M. Chenevard, M. Beneventi, M. Stassinos, Mme Battesti, M. Chouquet, Capobianco, Tonelli, Bonus, de Saint-Cernin, Tanguy, Mme Muscotti, Roussel. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée? Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ils sont élus, je vous en remercie. Je vais faire un peu souffler, M. Cavanard. La 11, c'est l'élection des membres de la commission formation professionnelle. Nous vous proposons messieurs Colin, Bernardi, Madame Bill-Hélène, Madame Charles-Marie-Hélène, Monsieur Capobianco-Guillaume, Monsieur Roux Bernard, Madame Espinasse-Nadine, Madame Chambon-Josie, Madame Turbat-Magali, Madame Andréotti-Dominique, Madame Jourda-Cécile, Monsieur Marion Jean-David. Je vous propose, mes chers collègues, si vous en êtes d'accord, de procéder au vote à main levée. Tout le monde est d'accord? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont élus et je vous en remercie. On passe à la commission suivante. C'est l'élection des membres à la commission d'appel d'offres, très important. Comme toutes les commissions d'ailleurs, nous vous proposons en qualité de membre titulaire Mme Battesti Valérie, M. Capobianco Guillaume, M. de Saint-Cernin Luc, Mme Mondone Valérie, M. Tanguy Albert
et en qualité de membre suppléant, Mme Bernardini, Véronique Paganelli, Argiola, Marie-Claude, M. Mascaro, Éric, Mme Pasquali, Cerny, Audrey, Mme Jouve, Corinne. Est-ce que vous êtes d'accord de procéder à cette élection à main levée ? Pas de vote contraire, je vous en remercie. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont élus et je passe à la délibération suivante et je repasse la parole à M. Cavanna. Merci, M. le Président. C'est la Commission des concessions et des délégations de services publics. En qualité de membre titulaire, Mme Bernardini, Mme Paganelli Argiolas, M. de Saint-Cernin, Mme Mondone, M. Tanguy, et en qualité de membre suppléant, Mme Battesti, M. Capo Bianco, M. Mascaro, Mme Pascali Cerny, Mme Jouve. Tout le monde accepte un vote à main levée. Je vous remercie. Et pour les candidats, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. C'est la Commission consultative des services publics locaux. Représentant des métropolitains, M. Albertini, M. Roux, Mme Bernardini, M. Capo Bianco, Mme Charles, M. Tonelli, Mme Genetelli, M. Léoni, Mme Massi, Mme Pascali Cerny, M. Navarane, Mme Portuez. Alors, les membres des associations seront désignés ultérieurement. D'ores et déjà, il s'agit des associations UFC, UFCS, APF, GI2A, UDAF, MART, PEP 83, FCPE 83. Télo Campus, GDAIQ, ADETO, AFUSI. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée ? Je vous remercie. Et pour les candidats, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. La 15, c'est Donc pour le Conseil d'exploitation des ports, les candidats sont les suivants. M. Falco, M. Gilles, M. Vincent, M. Vialat, M. Chenevard, M. Cavanna, M. Roux, M. Bernardini, M. Collin. Et pour les personnalités qualifiées extérieures, M. Haber, M. Joly et M. Delaunay. Tous trois, nous avons là trois anciens préfets maritimes. Ouais, c'est des gens qui connaissent bien les ports. Qui est favorable pour les élire ? À main levée d'abord. Main levée. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont élus et je vous en remercie. La 16, Robert. C'est le SCOT, 12 délégués titulaires et 12 suppléants. Pour les délégués titulaires, messieurs Beneventi, Latil, Girand, Emmerich, Chouquet, Albertini, madame Rialan, madame Biquet, monsieur Musso, monsieur Vincent, monsieur Vialat, monsieur Mahali. Et pour les délégués suppléants, Mme Del Nero, M. Pizot, M. Carassan, M. Simon, Mme Bill, Mme Laporte, M. Stassinos, M. Capo Bianco, M. Nguyen Van Nhoi, M. Marin, M. Roux et M. Lebert. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée. Je vous remercie. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je prends le relais, Robert, désignation des représentants de la métropole au sein du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'aire toulonnaise, le CITOMAT. Sont proposées les candidatures suivantes en qualité de délégué titulaire, messieurs Gilles Vincent, madame Bill-Hélène, madame Chenet-Corinne, monsieur Albertini-Thierry, monsieur Beneventi-Robert et monsieur de Saint-Cernin-Luc en qualité de suppléant, monsieur Tanguy-Albert, Monsieur Émeric Jean-Pierre, êtes-vous monsieur, d'accord ? Monsieur le Président. Pardon, allez-y. Excusez-moi, j'ai une petite erreur. À la place de Monsieur Émeric, je voudrais que ce soit Madame Métal, si c'est possible. À la place de Monsieur Émeric, en suppléant, que ce soit Madame Métal. C'est elle qui s'occupe des OM. Voilà. Merci. Les désignations, et vous avez vu, c'est quand même un travail considérable, ont été faites en parfaite coordination avec les maires. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut changer, il faut le changer avant. Donc, je vous propose un vote à main levée, mes chers collègues. Pas d'avis contraire. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont ainsi élus et je vous en remercie. Je passe à la 18. Désignation des représentants de Toulon, province méditerranée, au sein du syndicat mixte de gestion de l'Égoutier. Sont proposées des candidatures suivantes. Délégué titulaire, M. Simon Christian, Mme Montfort Isabelle, M. Galliano Éric, Mme Bill-Hélène, Mme Laporte Sylvie, M. Gutiérrez Denis, suppléant, Fioretti Christophe, Lebert Guy.
Êtes-vous d'accord pour procéder au vote à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont donc élus. Et Robert, je te repasse la parole pour la 19. Micro, M. Cavana. Désignation des représentants au sein du syndicat mixte de la REP et du Grand Bala. Oui. Messieurs Perrier, Lo Monaco, Monsieur Benvenuto, Madame Antonini, Monsieur Beneventi, Monsieur Pirassini, Madame Chilici, Monsieur Rochia. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les modifications statutaires du syndicat mixte du bassin versant du GAPO, les représentants de la métropole sont proposés en candidat titulaire, Madame Montfort et M. Weber, et en qualité de suppléant, M. Girardot et M. Simon. Tout le monde accepte un vote à main levée. Je vous remercie pour leur désignation. Qui est pour? Je qui est vous contre? Propose de... Tu n'as pas fait voter, Robert. Qui est, pour, les qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, ils sont élus et je vous en remercie. J'ajoute qu'il faut aussi voter pour la modification des statuts du syndicat mixte du bassin versant. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous passons à la 21. Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la région Est de Toulon, qui en délégué titulaire, M. Collin, M. Goury, Mme Montfort, M. Girardot, M. Cilia, M. Emery, qui est en qualité de suppléant, Mme Fitzner, M. Salomon, Mme Papaléo, M. Fouque, Mme Métal, M. Diamant. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée. Je vous remercie. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 22. La Société Économie Mixte à Opération Unique Sénoise des Eaux. Comme représentant au conseil d'administration, Mme Chenet, M. Capobianco, Mme Cinquin, Mme Paganelli Argiolas, et en qualité de représentant à l'Assemblée générale, Mme Chenet. Tout le monde accepte un vote à main levée. Je vous remercie. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à la 23. Les représentants de TPM au conseil d'administration de l'EPF PACA. En qualité de titulaire, M. Simon. En qualité de représentant, M. Mahali. Tout le monde accepte le vote à main levée. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 24. La SEM VAR Aménagement Développement. En qualité de représentant au conseil d'administration, M. Cavana. En qualité de représentant à l'Assemblée générale, M. Chouquet. C'est pareil. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée. Je vous remercie. Et pour leur désignation, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Ils sont élus et je vous en remercie. Je passe à la 25. Je laisse reposer M. Cavana. C'est la désignation des membres de la commission locale du site patrimonial remarquable de la ville de la Seyne-sur-Mer. On propose en qualité de titulaire notre doyen, M. Minetti-Joseph, Mme Paganelli, Argiolas, Marie-Claude. Monsieur Mansour Chiec, Monsieur Capobianco Guillaume, en tant que suppléant, Madame Vincent Christel, Madame Singuin Christine, Monsieur Colin Jean-Pierre et Madame Chenet Corinne. Êtes-vous d'accord pour procéder au vote à main levée? Vous êtes d'accord? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont élus et je vous en remercie. On passe à la désignation des membres de la commission locale du site patrimonial remarquable de la ville de Hyères-les-Palmiers. Sont proposés en qualité de titulaire M. Carassan François, M. Cunéo Laurent, suppléant, Mme Bernardini Véronique et Mme Montfort Isabelle. Acceptez-vous le vote à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi élus. Robert, tu passes à la 27. La 27, c'est l'agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var. En qualité de représentant à l'Assemblée générale, M. Albertini, Emmerich, Mme Métal, M. Chouquet, Mme Rialan, Mme Grosso, M. Roux, Mme Biquet, M. Mahali, M. Chenevard. Et en qualité de représentant au conseil d'administration, M. Albertini, Emmerich, Chouquet, Mme Rialan, M. Mahali, M. Chenevard. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée. Je vous remercie. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais présenter la 28, c'est la désignation des représentants de la métropole au sein du conseil d'établissement du conservatoire. Sont proposées les candidatures suivantes en qualité de titulaire, M. Vialat Jean-Sébastien, M. Tengui Yann.
Madame Arnaud Galli Claude, Madame Grosso Delphine en tant que suppléant, M. Carassan François, Madame Mondone Valérie, Madame Rialan Valérie, Madame Paganelli Argiolas, Marie-Claude. Acceptez-vous le vote à main levée? Pas d'avis contraire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi désignés. Je vais désigner les représentants de la métropole au sein du conseil d'administration de l'association Château-Vallon Liberté. Je propose les candidatures suivantes pour l'Union Château-Vallon Liberté, M. Tengui Yann et M. Beneventi Robert. Acceptez-vous de les désigner à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi désignés. Je vous en remercie. Je désigne les représentants de la métropole au sein du conseil d'administration Château-Vallon Seine Nationale. Je vous propose les candidatures de M. Tengui Yann et de M. Vialat Jean-Sébastien, membre associé en qualité de personnalité qualifiée, M. Trouillas Léopold, Mme Agnèle Gouzy Isabelle, choisie par M. le maire d'Olioul. Acceptez-vous de voter à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi désignés et je vous en remercie. Il me reste à vous proposer les représentants de la métropole au sein du conseil d'administration de l'association Théâtre Liberté Scène Nationale. Les membres de droit représentant la métropole sont M. Tengui Yann, M. Vialat Jean-Sébastien, M. Cazot Patrice, membres associés en considération de l'intérêt qu'ils portent aux intérêts du Théâtre Liberté, M. Couture Jacques, Mme Gluck-Colette. Je vais vous demander de procéder au vote à main levée, si vous en êtes d'accord, pas d'avis contraire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi désignés. Je vais vous proposer les personnalités qualifiées au sein du conseil d'administration de l'EPCC ESAD-TPM. La candidature proposée est celle de Gaston Secondi. Je vais vous demander de procéder au vote à main levée, si personne est contre. Qui est pour? Qui est contre? Il est ainsi désigné et je vous en remercie. La désignation des représentants de la métropole au conseil d'administration de l'EPCC ESAD-TPM. Les titulaires sont M. Vialat Jean-Sébastien, Mme Arnaud Galli-Claude, M. Garassin François, Mme Bidélène, Mme Mondone Valérie, Mme Chambon-Josy, suppléant, Mme Espinas Nadine, Mme Métal Anne-Marie, M. Cunéo Laurent, Mme Grosso Delphine, M. Cazot Patrice, M. Mahali Mohamed. Acceptez-vous un vote à main levée? Vous l'acceptez? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi désignés. Je vous en remercie. La désignation de la personnalité qualifiée au sein de l'EPCC Opéra. Je vous propose la candidature de l'amiral Delaunay Jean-Luc. Acceptez-vous de le nommer à main levée? Pas d'avis contraire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est ainsi désigné et je vous en remercie. La désignation des représentants de la métropole au sein du conseil d'administration de l'EPCC Opéra TPM en qualité de titulaire. M. Tengui Yann, Mme Mondone Valérie, M. Vialat Jean-Sébastien, M. Carassan François, Mme Arnaud Galli Claude, Mme Charles Marie-Hélène. En tant que suppléant, M. Robert Cavana, Mme Massy José, Mme Espinas Nadine, Mme Jouve Corinne, Mme Rialan Valérie, M. Beneventi Robert. Acceptez-vous de les nommer à main levée, de les désigner à main levée? Pas d'avis contraire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi désignés et je vous en remercie. Allez Robert, prends un peu la suite. Nous en arrivons au conseil d'administration de Terre du Sud Habitat. Sont proposés en qualité de conseiller métropolitain M. Cavana, Mahali, Moreno, Mme Massy, Mme Chenet, Mme Biquet, et en qualité de personnes qualifiées, M. Garcin, Mme Matteron, Mme Jérôme, M. Gillet, Mme Basse, Mme Fortias, Mme Bagdad, Mme Bernardini et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. En qualité de représentant d'association, Mme Valverde et M. Benmioud. Tout le monde accepte le vote à main levée. Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Robert, la 37. Toulon Habitat Méditerranée, conseil d'administration, en tant que conseiller métropolitain, M. Cavana, Mahali Moreno, Mme Massy, Mme Chenet, Mme Biquet,
personnes qualifiées, Monsieur Garcin, Madame Matteron, Madame Géraud, Monsieur Gillet, Madame Basse, Madame Fortias, Madame Bagdad, Madame Bernardini, en représentant de la CDC, et en qualité de représentant de l'association, Madame Valverde et Monsieur Ben Mihoud. Tout le monde accepte le vote à main levée. Je vous remercie. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais vous proposer la désignation d'un représentant de la métropole au comité de pilotage du site Natura 2000 en mer, les Ambiers Cap-Sissier. La candidature proposée est celle de Monsieur Gilles Vincent. Merci, Madame, de me rappeler ce que je dois lire jusqu'à présent. Là, j'y arrive encore. Qui est pour procéder au vote à main levée? Pas d'avis contraire? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Gilles Vincent est ainsi désigné. Nous passons à la désignation des représentants au sein du comité de pilotage du site Natura 2000 Cap-Sissier-Sifour. La candidature proposée est toujours celle de M. Gilles Vincent. Acceptez-vous de le désigner à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est ainsi désigné et va se mettre au travail. On passe au comité de pilotage des sites Natura 2000, Radelière, Île-d'Hier, Les Salindières et des Pesquiers. La candidature proposée est celle de M. Carassan-François. Acceptez-vous de le désigner à main levée? Pas d'avis contraire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est ainsi désigné. Nous passons à la candidature du comité de pilotage du site Natura 2000, Lagune du Brust. Là, nous nommons nous désignons M. Mulet-Joseph pour nous représenter. Acceptez-vous de le désigner par un vote à main levée? Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Il est ainsi désigné. Je vous en remercie. Robert, tu poursuis, la 42. Comité de pilotage des Montcom, Montfaron, Forêt Domaniale, des Morières et Falaises du Montcom. Nous vous proposons M. Bonnefoy. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 43. La 43. Le comité de pilotage, la plaine et le massif des Maures. Nous proposons M. Carassan-François. Tout le monde accepte le vote à main levée? Je vous propose donc de le désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 44, c'est l'association Atmosud. La candidature proposée est celle de M. Gilles Vincent. Tout le monde accepte le vote à main levée? Je vous propose donc de le désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il est ainsi désigné et va se mettre au travail. La 45, désignation des représentants de la métropole au sein du Conseil maritime de la façade méditerranéenne. Il y a un délégué titulaire, c'est Gilles Vincent. Un délégué suppléant, c'est l'amiral Tengui. Acceptez-vous de les désigner à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi désignés et je vous en remercie. On passe à la désignation d'un représentant de la métropole pour siéger au comité de baie des Îles d'Or. Là aussi, la candidature proposée est celle de M. Gilles Vincent. Acceptez-vous de le désigner à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est désigné. Je vous en remercie. On passe à la désignation de l'association Amorce. On désigne en qualité de délégué titulaire M. Gilles Vincent, avec comme suppléant Albertini Thierry, le maire de La Valette. Qui est pour les désigner à main levée? Pas d'avis contraire. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont ainsi désignés. Et je passe aux représentants de la métropole au sein du conseil d'administration du parc national Porquerolles. Ils sont proposés en qualité de délégué titulaire M. Falco Hubert, en qualité de délégué suppléant M. Gilles Vincent. Acceptez-vous de les désigner à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont ainsi désignés. Nous passons ensuite à la délibération suivante. Je repasse la parole à M. Cavana. Il s'agit de la commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Les candidatures suivantes sont proposées. Messieurs Latil, Cuneo, Madame Métal, Madame Bill, Madame Cinquin, Monsieur Albertini, Madame Rialan, Monsieur Musso, Madame Grosso, Monsieur Vincent, Madame Breton, Monsieur de Saint-Cernin. Tout le monde accepte le vote à main levée. Je vous remercie. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 50, Robert.
les représentants de la métropole au sein de l'Assemblée générale de l'association France Urbaine sont proposés Madame Biquet, Madame Lévy, Monsieur Musso. Tout le monde accepte le vote à main levée. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La Rédif, s'agissant des conseillers métropolitains, Madame Turbat, Monsieur de Saint-Cernin, Monsieur Moreno, Monsieur Mascaro, Monsieur Jérôme, Madame Jouve, Monsieur Tanguy, en qualité de personnalité, Monsieur Merlot, Monsieur Biguer, Monsieur Pascalini, Madame Magobonnet, Madame Delgato, Monsieur Marzola. Tout le monde accepte de procéder par vote à main levée. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La 52, Robert, tu poursuis. C'est le groupement des autorités responsables de transport. En qualité de délégué titulaire, Monsieur Chenevard de Saint-Cernin, Capobianco. En qualité de délégué suppléant, Messieurs Tanguy, Mascaro et Madame Chenet. Tout le monde est d'accord pour un vote à main levée. Je vous propose donc de les désigner. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose à l'adhésion de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au club des villes et des territoires cyclables. On désigne en qualité de titulaire M. Chenevard Yannick. Acceptez-vous de le désigner à main levée? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est ainsi désigné et je vous en remercie. La 54, en remerciant M. Cavana. Je vais passer la parole au maire du Rovès, Ange. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il s'agit d'actualisation du tableau des effectifs permanents de la métropole. Je vous rappelle le transfert de 1151 agents en 2019 au titre de passage en métropole, 50 agents en 2020 au titre des transferts de compétences départementales. Aujourd'hui, on a une stabilisation de nos effectifs à 2324 agents métropolitains. Il est nécessaire de procéder à la mise à jour et à l'actualisation du tableau des effectifs permanents pour tenir compte des besoins spécifiques au sein du conservatoire, création de 7 emplois de professeurs d'enseignement artistique, et de besoins liés à l'évolution de la métropole, c'est la création d'un emploi d'apprenti auprès du parc auto de l'antenne métropolitaine d'hier. Je vous propose d'ouvrir 2 emplois de catégorie A vacants au tableau des emplois à des contractuels dans les conditions des articles 3.3, deuxièmement, et 3.5 de la loi 84-53 pour les besoins du service, animateur du contrat 2B des îles d'Or au grade d'attaché territorial, référent au marché public de travaux au grade d'attaché territorial. Pour ces 2 derniers emplois, il convient de préciser qu'aucun fonctionnaire possédant le profil requis et l'expérience n'a pu être recruté dans les conditions statutaires. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Sont ainsi désignés. Je vous en remercie. On passe à la 55, Ange. Je vous propose de maintenir le régime indemnitaire en cas de congé de maladie ordinaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de le prolonger. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Passe la parole à Monsieur le maire de La Valette, Thierry Albertini. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, le doublement des effectifs liés à la création de la métropole entraîne la nécessité de mettre en place un nouveau comité technique et organiser de nouvelles élections professionnelles en conformément au décret 85-565, modifié en janvier 2018. Après avoir recueilli l'avis favorable du comité technique du 9 juin dernier, le Conseil doit se prononcer à nouveau sur le nombre de représentants du personnel au sein du comité technique de la métropole et de l'École supérieure d'art et de design, TPM, au nombre de 8, la conservation du paritarisme au sein de l'instance et le recueil de l'avis des représentants de l'établissement désigné par le président. Par ailleurs, il est proposé d'adopter le principe du recours à la dématérialisation du processus électoral et au vote électronique. Une délibération ultérieure fixera les modalités de ce vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous en remercie. Ange, tu reprends la parole avec la 57. Oui, il s'agit de la création d'un emploi de vacataire de conseiller technique en aménagement et planification urbaine auprès du directeur général des services. Le besoin est estimé à 7 vacations de 7 heures au plus par mois pour une enveloppe de 30 000 euros, charges patronales comprises, à l'année. Pas d'avis contraire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ange, tu poursuis avec la 58. Il s'agit de l'adoption du règlement budgétaire et financier de la métropole. La loi nous impose de mettre en place un règlement et ce document a pour vocation de clarifier l'organisation métropolitaine dans ses fonctions budgétaires et financières et surtout d'améliorer la diffusion et le partage d'informations. Pas d'avis contraire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
C'est adopté. Je vous en remercie. Gilles, tu prends la parole sur la 59. Restauration et valorisation du bâtiment du Tympan au Salène des Pesquiers. Il s'agit d'un vieux bâtiment, mais historique, qui se situe dans les Salènes des Pesquiers. C'est une grande roue en bois qui distribuait l'eau à travers tous les parcs des Salènes. Donc, nous avons lancé un appel à projet concernant cette roue qui est complète, complexe. Et donc, nous avons demandé une subvention au Conseil régional qui nous a attribué une subvention de 366 000 euros sur un montant prévu subventionnal de 1 220 000 euros hors taxes. Donc on a convenu que c'est le Conservatoire du littoral qui est propriétaire des lieux qui assurerait la maîtrise d'ouvrage des opérations comprenant la maîtrise d'œuvre et les travaux. Donc on vous propose de solliciter le Conseil régional pour le transfert de la subvention de 366 000 euros au bénéfice du Conservatoire du littoral. Moi, je suis très heureux, Président, parce que cette roue est vraiment historique. Et il était important qu'on la préserve parce que c'est la seule chose qui reste et qui permet d'expliquer comment marchaient les Salènes. Qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Ange, tu reprends la parole. Oui, il s'agit de l'autorisation de programme relative à la programmation pluriannuelle pour la réalisation du complexe aquatique du Vallon du Soleil à la Croix. Il s'agit d'une programmation pluriannuelle de 2021-2025 pour un montant de 23 800 000 euros TTC. Oui, c'est un dossier important, mes chers collègues, puisque on remet aux normes réglementaires l'ensemble des piscines du complexe du Vallon du Soleil. Savoir que ce complexe accueille l'ensemble des enfants de tous les centres de loisirs des 12 communes de la métropole. Ces piscines n'étaient plus aux normes réglementaires et donc on se doit aujourd'hui, pour accueillir nos enfants, de les accueillir dans les meilleures des conditions. C'est la raison pour laquelle on va procéder à la réfection totale de l'ensemble de nos piscines. Qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Ange, tu poursuis. Autorisation de programme. C'est pour la programmation pluriannuelle pour le projet de requalification de l'avenue Jean Monnet sur la commune de La Croix qui sera en deux phases de 2020 à 2023 pour un montant de 4 400 000 euros TTC. Qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Le dossier suivant est aussi un dossier routier important. Ange, tu poursuis. L'autorisation de programmation pluriannuelle pour l'aménagement de la corniche Philippe Giovannini pardon, à la Seyne-sur-Mer. C'est le prolongement de la corniche Tamaris. Et c'est un véritable aménagement attendu depuis des années par tous les habitants, usagers, associations, professionnels de la mer, de 2020 à 2022, pour un montant de 2 600 000 euros TTC. Qui est favorable, mes chers collègues, pour ce dossier ? Qui est défavorable, qui s'abstient, c'est aussi un dossier qui était attendu. La 63. La 63, il s'agit de la programmation pluriannuelle de l'opération de reconversion du site de Chalucé, une actualisation de l'échéancier 2020, l'échéancier qui prend en compte les retards de travaux, notamment dus au Covid, repoussant la réception des bâtiments et voiries à septembre 2020, ce qui amène à des règlements de factures et DGD sur l'année 2021. Du coup, il faut étendre l'échéancier jusqu'en 2021. Oui, j'espère qu'on sera aidé. Nous le sommes par les collectivités départementales et régionales. J'espère que l'État répondra présent au portage financier de l'ensemble des collectivités sur les conséquences de cette terrible crise sanitaire. Nous avons tous assumé les maires. Et nous avons tous fait notre devoir, c'est-à-dire d'être au plus près de nos concitoyens durant cette crise, en prenant des décisions qui s'imposaient sur le portage financier. Pour l'instant,
on en est au stade des promesses. On espère que les promesses se transformeront en réalité. Voilà. Qui est favorable, mes chers collègues, sur ce dossier. Qui est défavorable, qui s'abstient. Il est adopté et je vous en remercie. Ange, tu poursuis. Il s'agit toujours du quartier de la créativité et de la connaissance Chalucé. C'est maison de la créativité au troisième étage. Il s'agit de la tarification de la mise à disposition des salles, des espaces partagés, avec une différenciation entre les types de salles, les, s'il s'agit de visiteurs occasionnels, de nos partenaires pour des formations, des séminaires, d'appliquer une tarification forfaitaire pour des formations récurrentes, d'appliquer la gratuité de façon exceptionnelle, par exemple pour orientation lab, hackathon, grand public, journée d'information sur la santé. On organise ce bâtiment, qui est le véritable bâtiment de la créativité et de la connaissance. Voilà. Qui est favorable, mes chers collègues. Qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Vous voyez que la métropole s'occupe aussi des coupes de bois, puisque on fixe les tarifs de coupe du site de Fabregas à la Seyne-sur-Mer. Mes chers collègues, on fixe des tarifs, bien sûr, de coupe au domaine de Fabregas à 30 euros le STER pour l'année 2020. Ce n'est pas nous qui le fixons, il y a des règles. On les applique. Qui est favorable, défavorable, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Ange. Il s'agit de fixer les tarifs d'outillage public des ports de la concession Plaisance au 1er juillet 2020 pour le port de Toulon. En fait, il s'applique à tous les ports gérés au travers de la concession Plaisance conclue à la Chambre de commerce à compter du 1er juillet 2020. Bien sûr, tous ces tarifs ont été l'objet d'affichage et de concertation avec les usagers du port, ce qui est important, qui est favorable. Défavorable, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Ange, la 67. Il s'agit de fixer les tarifs d'outillage public de l'établissement maritime de Toulon, concession commerce au 1er juillet 2020. Pareil, affichage et concertation avec les usagers du port. Et la réduction déjà proposée aux navires propres équipés de scrubbers est étendue aux navires en escale courte de moins de 2 heures utilisant du carburant avec une teneur en soufre inférieure à 0,1%. C'est important. Il faut que... C'est très important. Cette utilisation du carburant en teneur en soufre inférieur à 0,1% s'applique certes aux bateaux qui desservent la Corse, la Sardaigne, mais on décide de l'appliquer à l'ensemble des navires en escale courte. C'est très important, croyez-moi, c'est une décision que nous avions prise, et notamment en concertation avec la région qui avait lancé son plan port propre, c'est-à-dire donner les mêmes moyens au port de Marseille, au port de Nice et aussi au port de Toulon, qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Ange, tu poursuis. Pas mis le... Vous avez entendu ? Non ? Je reprends. Il s'agit de fixer les... J'avais oublié le micro. Le tarif des droits de port applicables au 1er juillet 2020, hors concession Plaisance. Pour la tarification, nous mettons en place une réduction de redevance à hauteur de 375 euros pour les navires en escale courte qui s'engagent à n'utiliser que des carburants désoufrés. Soufre, c'est important. Qui est favorable ? Qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Robert, la 69, Robert Cavana. Oui, dans le cadre du projet de Mayol-Apipadi, la métropole a étudié la réalisation d'un certain nombre d'ouvrages publics pour fluidifier la circulation. Ces travaux seraient réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Chambre de commerce avec un coût prévisionnel de 3 478 303 euros hors taxes. Pour compenser cette charge financière qui découle d'obligations de service public qu'impose le concédant, la métropole entend participer à hauteur de 2,7 millions, le reste étant à la charge du concessionnaire. Ces travaux nous ayant permis de fluidifier la circulation autour du terminal portuaire de Toulon-Côte d'Azur, puisque
y a tous les travaux d'accès. Il y a eu la création d'un parking surélevé à l'intérieur du port de commerce de 208 places, à l'arrière de la gare maritime. Et donc, nous participons auprès de la maîtrise d'ouvrage de la CCI pour un coût prévisionnel de 3 478 303 euros. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté et je vous en remercie. Jean-Pierre. Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de solliciter l'établissement public foncier PACA dans ses fonctions habituelles de portage foncier et d'expertise pour une grande opération de la ville de Toulon et de la métropole. C'est le projet d'aménagement de l'interface entre le port de Toulon et la ville, depuis le stade Mayol jusqu'au l'ancien môle des Torpilles de Pipadi. Donc c'est une convention qui doit être passée, c'est une procédure habituelle pour un montant de 40 millions d'euros, dont 20 millions mobilisables en première phase, et c'est l'autorisation de signer cette convention. Le PF nous porte une partie de ce projet, c'est important, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Jean-Pierre, la 71. Oui, il s'agit de simplifier et de supprimer une curiosité. Le préfet, le 5 mars 2020, avec avis favorable de l'ABF, a créé un périmètre délimité des abords de l'ancien cercle naval, qui est un monument historique. Mais cette délimitation va au-delà du périmètre du site patrimonial remarquable, ex-AVAP, ex-ZPPAUP, et il y a donc une incongruité dans la mesure où, au-delà du périmètre de l'AVAP, il y a une urbanisation tout à fait banale et sans intérêt. Donc l'objectif, c'est de réduire le périmètre qui avait été défini de façon à ce qu'il soit adapté au site on appelle ça site patrimonial remarquable désormais, c'est-à-dire à la VAP. On s'adapte à la réalité, mes chers collègues, parce que le droit en accord avec les faits. Les normes, c'est bien gentil, mais la réalité est importante. Et donc, on demande une adaptation à la réalité. Qui est favorable, défavorable, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Pour organiser la rentrée scolaire du conservatoire TPM, il convient d'actualiser les différents tarifs, les conditions et modalités d'application, les droits et conditions de location ou prêt d'instruments, en adéquation avec la mise à jour du règlement et des études à la rentrée. Vous voyez, on prépare déjà la rentrée de notre conservatoire. Notre conservatoire, mes chers collègues, c'est le premier de France aujourd'hui, avec un peu plus de 4000 élèves, avec 275 enseignants, avec qui enseignent 75 disciplines sur l'ensemble de nos 12 communes. Soyons fiers de ce que nous avons bâti avec ce conservatoire et bien sûr l'intérêt qui lui est porté par l'ensemble des familles, qui est favorable, mes chers collègues. Défavorable, abstention, c'est adopté. Je vous en remercie. Le dossier suivant, c'est un avenant à la délibération portant règlement intérieur du conservatoire, qui est favorable, défavorable, abstention. Il est adopté, je vous en remercie. Jean-Louis Masson. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cette délibération concerne l'aire de grand passage des gens du voyage qui a été aménagée à l'accro. Il s'agit par cette délibération d'en modifier les tarifs d'occupation temporaire selon les redevances exprimées sur le cours de la délibération. Qui est favorable, mes chers collègues. Qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Christian. Oui, Monsieur le Président, donc il vous est proposé d'autoriser le président de la métropole à signer des conventions de versement concernant l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. C'est afin notamment de mettre en place des dispositifs de comptage et d'écoute par secteur pour détecter des fuites éventuelles dans nos réseaux d'eau potable, afin d'exécuter les travaux pour améliorer le rendement des réseaux. Qui est favorable, mes chers collègues. Qui est défavorable. Qui s'abstient, c'est adopté. Gilles, le cahier des charges du plan de concession des plages légales. Ben, c'est dans l'air du temps, hein, puisqu'il fait bon se baigner en ce moment. On a des demandes d'avenants concernant plusieurs cahiers des charges et plusieurs concessions. On va débuter par la plage de l'Égade, où le délégataire a sollicité une réorganisation interne de son lot numéro 3
pour ajuster le positionnement du tapis PMR, ainsi qu'une petite modification du plan général. Et enfin, par ailleurs, suite au transfert de la compétence concession de plage, il convient désormais de distinguer les obligations liées au pouvoir de police qui sont chez le maire et qui restent communales, et des obligations liées à la gestion de concessions de plage qui sont de compétences métropolitaines. Et bon, que tous les pouvoirs de police restent de la compétence directe des maires. Je crois que c'est quelque chose à laquelle on doit veiller, qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Gilles, tu poursuis. Demande d'avenant pour une concession au Mourillon. Il est proposé une homogénéisation de la bande de passage à 3 mètres, tout en maintenant la libre circulation des usagers. Cela permet d'avoir une équité de traitement pour tous les lots de la plage du Mourillon. C'est très important d'avoir cette bande de passage, parce que certes, il y a la plage, il y a aussi les gens qui promènent, et qui ont tout à fait le droit d'avoir un passage pour le faire, qui est favorable, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Gilles, la concession des plages à Sifour. C'est la même façon, c'est suite au transfert de la compétence concession de plage, il est nécessaire de distinguer le local restaurant qui est situé sur le domaine public communal du lot de plage de la Coudoulière, et donc il faut faire deux procédures de délégation de services publics distincts ont donc été lancées. Et il en résulte que le délégataire exploitant le restaurant peut être différent de celui qui exploite le lot de plage. Il convient aussi de modifier le plan initial pour revoir le positionnement des tapis PMR. Voilà. Qui est favorable, mes chers collègues. Défavorable, c'est adopté. La 79, Gilles. Alors, c'est aussi une demande d'avenant pour le lot de plage numéro 3 de la plage de l'Égade. Le contrat de concession a été notifié le 21 juin 2019 à la société Sao Praia. La durée de contrat est fixée à 6 saisons balnéaires, arrivera à échéance le 31 octobre 2024. La redevance annuelle est fixée à 15 000 euros, qui est une part fixe, et 5% du chiffre d'affaires. Donc le sous-traitant, Sao Praia, sollicite un réaménagement du lot de plage, toujours pareil pour améliorer l'accès des personnes en mobilité réduite et optimiser l'accueil et la gestion de l'activité de restauration légère. Qui est favorable, mes chers collègues? Défavorable, abstention, c'est adopté. La 80, Gilles. Marc Vivot, les Sablettes. Alors, même chose, c'est une demande d'avenant au cahier des charges. Donc il s'agit de faire une demande pour rectifier une erreur matérielle sur le plan général de la concession de Marvivaux-les-Sablettes au niveau du lot numéro 3. La distance de la bande de passage mentionnée de 5 mètres au lieu des 3 mètres prévus. Donc il faut corriger cette erreur. Par ailleurs, sur les lots 4, 5, 6, ainsi que pour la zone spécifique exploitée par la commune de la Seine, un nouveau plan doit être réalisé par un expert géomètre en raison de l'impossibilité pour les délégataires d'exploiter leur lot du fait de l'existence d'un cordon dunaire, et qui se déplace d'ailleurs, et de ganivelles de protection non identifiées sur le plan initial. Ainsi, il faut prendre le transfert de compétences concession de plage qui ne permettait pas de distinguer les obligations liées au pouvoir de police du maire et la gestion de la concession de plage qui est de la compétence métropolitaine comme dans le cadre des autres délibérations. Qui est favorable, mes chers collègues? Défavorable, abstention, c'est adopté. Yannick. Merci. La 81. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Vous le savez, le projet Ligne Nouvelle est un projet qui se poursuit dans sa phase d'étude en préparation de l'enquête d'utilité publique. C'est un projet important, notamment pour la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, mais pas seulement. En tout cas, pour nous, c'est un projet à l'intérieur duquel nous pouvons inscrire le projet du RER métropolitain. Et c'est donc la meilleure des façons de désaturer, en particulier, l'ensemble des trois métropoles. Donc c'est l'objet de cet avenant numéro 3. Monsieur Boucaletti, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, chers collègues.
Vous nous présentez un dossier concernant l'augmentation de la participation de la métropole à de nouvelles études pour la ligne nouvelle. Et hop, 900 000 euros supplémentaires, ce qui porte la participation totale de la métropole à près de 6 millions d'euros pour des études. Nous sommes en droit de nous inquiéter de ce troisième avenant qui nous amène à un total de 24 millions d'euros pour l'ensemble des collectivités concernées, et cela seulement pour des études. Peut-être demain un quatrième, cinquième ou sixième avenant. Vous connaissez, M. Chenevard, M. le Président, nos réticences concernant la LGV devenue la ligne nouvelle. Dès le début, nous avions émis des doutes sur les propositions des tracés, mais aussi sur les financements. À l'annonce de son ancêtre, la LGV, nous avions proposé l'organisation d'un référendum auprès des habitants. À la place, nous avons eu droit à des réunions totalement verrouillées où habitants et élus opposés à ce projet n'ont pas été entendus, je dirais même dans certains cas méprisés. D'autres éléments restent troubles, notamment la localisation de la gare de retournement à l'ouest de Toulon. Nous ne savons toujours pas si ce sera Saint-Cyr, Sanary ou La Seyne. Avez-vous des réponses à nous apporter sur cet élément ? Alors non, ce projet ne fait pas l'unanimité au sein même de votre majorité. Je me permets de rappeler ici qu'il y a quelques semaines encore, l'agglomération Sud-Sainte-Baume a voté une motion contre la ligne nouvelle, agglomération dirigée par un membre de la majorité départementale. Si ce projet était si évident pour notre territoire et s'il était cohérent, pourquoi l'un de vos actuels vice-présidents, une ancienne députée de votre majorité, Josette Ponce, et moi-même avions signé une charte il y a quelques années qui était présentée par ce même Ferdinand Bernard contre ce projet. Non, ce projet ne fait pas consensus auprès de votre majorité et encore moins auprès de la population. C'est pourquoi nous réclamons toujours qu'un référendum soit organisé. Mais au-delà de la ligne nouvelle, cette délibération englobe d'autres projets que nous soutenons ici, mais aussi au Conseil régional, la rénovation des gares, le RER toulonnais. Pour nous, l'ensemble des financements devraient se porter uniquement sur ce genre de projet, c'est-à-dire l'amélioration des transports du quotidien et non sur des projets tels que la ligne nouvelle. À vouloir trop en faire, j'ai bien peur que nous ne fassions que du saupoudrage. Pour ces raisons, nous abstiendrons sur cette délibération. Monsieur Boccaletti, je vais vous étonner. Le jeune député que j'étais en 1988 me permettait de m'opposer aussi à cette ligne LGV telle qu'elle était présentée à l'époque. Les années ont passé, les projets ont changé. Le projet tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, c'est un projet qui s'appuie sur les lignes existantes et notamment le fait que, me permettez de dire, qu'on peut partager effectivement le besoin de rénover nos gares et de développer ce RER métropolitain qui serait une réponse à la mobilité sur l'ensemble de notre territoire. Donc voilà, moi je crois plus au RER métropolitain, je crois plus à la rénovation des gares, je crois plus à l'amélioration des lignes existantes. Le reste, les années passent, les hommes passent, et les projets passent, et on en parle toujours. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est important. La LGV se fera peut-être un jour, le jour où l'État décidera de la financer. Et donc, je puis vous assurer que le financement d'une ligne LGV, c'est un financement important. Voilà. C'est mon avis. Je suis pour cette délibération et je laisse la parole à M. Chenevard pour vous apporter les précisions que vous souhaitez obtenir. Merci, M. le Président. Le projet de ligne nouvelle, ça n'est plus le projet de la ligne à grande vitesse. Vous le savez, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle c'est le seul projet qui nationalement ait été retenu. Et la dernière décision ministérielle acte bien le fait qu'il s'agit d'améliorer les trains du quotidien entre les trois métropoles, Marseille, Toulon et Nice. C'est la raison pour laquelle... Avec les lignes existantes. Avec les lignes existantes, voilà. En intégrant la rénovation d'un certain nombre d'infrastructures et notamment en y intégrant la rénovation de certaines gares, vous évoquez... Parle plus d'une LGV qui, par exemple, à l'époque... sur
laquelle j'ai fait allusion en 1988, détruisait les vignobles du Bandol. Voilà. Absolument. Voilà. Absolument. Et en fait, vous vous interrogez sur y aura-t-il une gare de retournement à tel ou tel endroit. Eh bien, c'est tout l'objet du projet de délibération qui est proposé. Si vous ne faites pas les études nécessaires pour savoir à quel endroit sera positionner une future gare de retournement. 24 millions d'euros. Et la gare de retournement, elle intègre en fait évidemment le périmètre de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. C'est tout l'enjeu de cette délibération. Comment on désature, comment on continue à imaginer la désaturation et le remplacement par les trains du quotidien. On ne peut payer que les études. Le reste, on n'a pas la capacité financière de le financer. C'est à l'État de le faire. Voilà. 4 millions d'euros. Bien. Allez. Qui est favorable sur ce dossier? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Il est adopté et je vous en remercie. La 72, Yannick. La 82, Yannick. 82, en fait, c'est le prolongement de la délibération précédente. Cela concerne la convention des financements pour des acquisitions foncières éventuelles. Éventuelles. Monsieur Bocalizzi, allez-y. Oui, Monsieur le Président, je suis étonné par la présentation de cette délibération. Et comme vous le disiez, c'est pour anticiper des acquisitions foncières. Le problème, c'est qu'à ce jour, nous n'avons toujours pas de tracé. Nous ne savons pas quel tracé a choisi l'État. Donc je pense qu'honnêtement, il serait mieux de reporter cette délibération à plus tard, en attendant le choix du ministère, parce que ça me paraît un petit peu douté de dire qu'on va engager des acquisitions alors qu'on ne sait toujours pas là où ça va passer. J'ai l'impression qu'on anticipe un petit peu, et je voudrais quand même rappeler que... excusez-moi de rappeler, mais c'est qu'à un moment donné, on a un peu trop anticipé. Je me permets de rappeler l'histoire du tramway, quand on passe du tramway au VHNS, et les procédures judiciaires administratives qu'il y a eu, parce que justement, il y avait un problème sur certaines délibérations. Moi, je pense qu'honnêtement, il n'y a pas d'urgence à passer cette délibération. La preuve, le tracé n'est pas choisi. On peut très bien le reporter à plus tard. Donc, je demanderais ce qu'elle soit reportée et représentée quand l'État aura présenté le tracé. Cette délibération a un objet modeste, 500 000 euros. On ne fait rien d'autre que de prendre en considération l'actuel, puisque de toute manière, la gare de la Pauline restera la gare de la Pauline. Elle a toujours été un lieu de passage important, un lieu de carrefour important, carrefour ferroviaire. Donc, 500 000 euros nous permettront éventuellement de travailler autour de la gare de la Pauline. C'est quelque chose qui est pragmatique, qui s'impose. Ligne nouvelle ou pas, qui s'imposera. Parce que ce nœud ferroviaire a besoin d'amélioration et donc d'acquisition. Après, on verra ce qu'il en sera avec, si un jour on la voit, la ligne nouvelle. Christian, tu as la parole. Je sais que c'est le dossier à Yannick, mais la commune de Lacroix est touchée, avec une partie de la ville de Lagarde. Ben, ces acquisitions, ce tracé est connu, M. Bocaletti. Il a été présenté déjà à tous les propriétaires, et il y a eu une petite enquête d'opportunité qui a été faite sur la commune de Lacroix. Donc le tracé est connu, c'est simplement, vous savez que la ligne qui vient de hier est en voie unique, et c'est simplement pour améliorer le nœud ferroviaire de la Pauline et faire un double tracé au croisement. Voilà, tout simplement. De toute manière, écoutez, chacun parle aujourd'hui de protection, d'acquisition. On est complètement, mes chers collègues, dans le rôle des maires. Vous savez, aujourd'hui, il y a des modes. Il y a des modes. Les maires sont passés à travers les modes. Un maire, il est là pour trouver le juste équilibre entre la préservation. Quel est le maire qui ira contre la préservation de l'environnement naturel qui est celui de sa commune? En l'occurrence, là, on est complètement sur le sujet. Certes, on le relie à la ligne nouvelle, je vous dis, qui ne se pourra pas, mais le maire de Lacroix vient d'y répondre. Il y a eu concertation avec les propriétaires privés. Je crois que acquérir des terrains autour de la gare de la Pauline sera toujours un modèle de préservation. Et donc, moi, j'y suis très favorable, même si on devait le déconnecter.
de la future ligne nouvelle et de futurs aménagements qui seront faits. Monsieur le Président, j'entends vos propos et je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que là, dans la délibération, vous le liez à la ligne nouvelle. Et je vous mets simplement en garde. On a eu l'exemple avec le tramway et cette fameuse enquête publique qui avait été utilisée. Et on a vu ce que ça donnait au niveau judiciaire. Donc, Monsieur Bucaletti, retirons-le de la ligne nouvelle. Pour le tramway, je vous réponds. Je viens de passer la quatrième élection démocratique sur ma commune. Et pendant 18 ans, on m'a parlé d'un tramway. Le tramway, on ne le fera jamais à Toulon. Ni Falco, ni un autre, ni un autre. Pourquoi ? Parce que la ville est telle qu'elle est, parce qu'il y a 2 km entre le Pharaon et la Méditerranée, parce que on n'aura pas la possibilité, hélas, matérielle, de faire un tramway. Donc, ne revenons pas encore sur le tramway. Je crois qu'il faut déconnecter les deux sujets. Moi, lorsque j'ai été maire, il m'a fallu 2 ans pour comprendre qu'on ne pourrait pas le faire. Mais dès que j'ai un peu plus. Ouais, vous savez, non, mais, écoutez, je ne vais pas vous rappeler dans quelles conditions il a fallu que je m'occupe et remette en place l'ensemble des dossiers de cette ville qui était complexe. Mais dès que j'ai eu une vision réelle de mon territoire, j'ai parlé en tant que maire. Vous savez, le rôle d'un maire aussi, le rôle d'une équipe municipale, c'est de dire oui, on peut le faire, non, on ne peut pas le faire, et d'expliquer la raison pour laquelle on ne peut pas le faire. Il y a ceux qui disent il faut le faire, il faut le faire. Puis, il y a le citoyen qui décide, et c'est une bonne chose. Donc, n'essayons pas de mêler le tramway à la ligne nouvelle. Là, en l'occurrence, je crois que les acquisitions que nous ferons autour de la gare de la Pauline seront une bonne chose pour la protection de ce nœud ferroviaire. On verra ce que demain il en sera fait en matière de ligne nouvelle ou pas, mais en attendant, on aura protégé les alentours de cette gare de la Pauline qui a toujours été un carrefour. Vous savez, moi j'allais au lycée cher à Jean-Pierre Girand ailleurs, le lycée Jean Écart, j'étais un élève de 6e et je prenais le car pour rejoindre mon village de Pignan, le car qui m'emmenait à la Pauline, et là je prenais le train. Vous voyez que déjà il y a bien longtemps, ce nœud était un nœud ferroviaire important. Voilà. Allez, qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Je vous en remercie. Yannick, tu poursuis. Merci, Monsieur le Président. La 83, en fait, c'est la convention de partenariat avec le CEREMA. Vous savez que nous avons lancé l'enquête ménage et c'est le CEREMA qui va être en fait notre outil sur lequel nous allons nous appuyer pour l'ensemble des études enquête ménage. Qui est favorable ? Qui est défavorable ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Yannick. La 84, c'est la convention quadripartite. C'est la 6e entre la métropole, la défense, Naval Group et la RMTT. Pour le fonctionnement des lignes qui sont à l'intérieur de la base navale. Bien sûr, tout cela est fait en parfaite concertation avec Monsieur le Préfet maritime, qui est favorable. Défavorable. Abstention, c'est adopté. La délibération suivante, Yannick. Convention Transrad, toujours avec la Défense et la RMTT, pour les années 2020-2021. Donc là, on est sur le Transrad à l'extérieur de la base navale. Vous savez, la base navale, c'est 23 000 militaires qui vivent, qui participent, qui sont des citoyens comme les autres, qu'il faut transporter. Donc c'est une bonne chose, qui est favorable. Défavorable. Abstention, c'est adopté. La délibération suivante. C'est la convention Transrad, mais pour la période 2019-2020. C'est un petit avenant, puisque nous avons intégré un petit glissement d'une semaine lié à la période Covid, donc dans cette convention. Qui est favorable. Défavorable. Abstention, c'est adopté. Yannick. Quelques petites modifications de ligne pour la rentrée. 2 expérimentations sur les appels bus, sur les secteurs ouest et centre, et la prolongation d'un renfort de service estival sur la ligne 67 et la ligne 68 jusqu'à la fin du mois de septembre. Nous transportons 32 millions
de personnes. Sur combien de lignes, Yannick ? 156. Sur l'ensemble de notre territoire métropolitain. Voilà la réponse que nous apportons dans la mobilité, avec les tarifs les moins chers de France, mes chers collègues. Voilà. Donc, voilà le réseau Mistral. Et je crois que tout ce que nous mettons en place vient que conforter cette offre de transport importante et essentielle sur notre métropole. Voilà la réponse que nous avons fait, ceux qui réclamaient le tramway, qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous en remercie. Et oui, il faut préparer la rentrée avec le plan des transports scolaires pour l'année 2020-2021. Les vacances arrivant, nous préparons déjà la rentrée, qui est favorable, mes chers collègues, qui est défavorable, qui s'abstient. C'est adopté. Ange. Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de renouveler la commission intercommunale des impôts directs à compter de 2020. Chaque commune a proposé deux commissaires titulaires et deux commissaires suppléants. Le directeur départemental des finances publiques déterminera la liste définitive qui sera composée de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. Mes chers collègues, sur cette délibération, on va clore notre assemblée. Je vais la faire voter. Mais avant de la faire voter, vous avez pu remarquer que une collectivité comme la nôtre, qui est la seule métropole de ce département, rassemblant 12 communes et 450 000 habitants, il fallait la mettre en place avec l'élection. Aujourd'hui, elle est en place. Grâce aux nombreuses délibérations que nous avons votées ce matin, on peut se mettre au travail. Je vous en remercie. Je vous souhaite à celles et à ceux qui vont partir en vacances de bonnes vacances, aux autres de se mettre au travail avec notre administration. Et je fais voter cette dernière délibération qui est favorable, défavorable, abstention. Je lève la séance et je vous remercie.